Bonsoir. Waouh. ça marche jamais d'habitude, moi. Je fais tout griller. Vous êtes très nombreux. Je suis très, très, très impressionnée. Je vous remercie d'être là. C'est la première rencontre que je fais ici à Brest. La fille qui prend la parole dès le début sans se laisser présenter. Donc je me tais tout de suite. Pardon. On est ravis de vous accueillir pour cette rencontre. Merci beaucoup de votre venue jusqu'à Brest. Puis merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Alors je vais commencer en effet par quelques mots pour vous présenter. Je crois que vous avez toujours beaucoup aimé lire et rêvé d'être écrivaine depuis toute petite, mais qu'il n'y avait pas de formation pour devenir écrivain et que vous avez donc choisi de vous orienter vers un vrai métier. Alors, après des études commerciales, c'est vers le marketing que vous êtes dirigée. Vous avez travaillé dans une grande entreprise jusqu'à vos 29 ans. Vous étiez mère depuis peu et votre mari a été muté à l'étranger. Donc, vous avez démissionné pour le suivre. Et c'est à ce moment-là que l'écriture a fait irruption dans votre vie. Alors, votre premier roman, c'est Mémé dans les orties. Il a d'abord été publié sur une plateforme d'auto-édition. Et puis, il a connu un très grand succès. Et ça vous a donc encouragée à l'envoyer à des éditeurs. Il est paru ensuite en grand format chez Michel Lafon, puis en poche, au livre de poche. Et là, il a dépassé le million d'exemplaires vendus. Donc cette entrée en écriture, c'était il y a 10 ans. Et vous en êtes aujourd'hui à votre 10e roman. Dans vos livres, parmi lesquels on peut citer La cerise sur le gâteau, Née sous une bonne étoile ou encore La ritournelle, avec humour, vous brossez le portrait de personnages attachants. Et vous abordez des thèmes de société qui nous touchent tous. Donc il y a eu notamment l'échec scolaire, la solitude des personnes âgées, les questions environnementales ou encore les droits des femmes. Et puis depuis votre 9e roman, L'Envol, on pourrait dire que vous êtes entrée dans une nouvelle phase avec des textes plus intimes dans lesquels pour la première fois, vous faites parler vos personnages à la première personne. Alors dans L'Envol, vous explorez ainsi l'histoire d'une mère et de sa fille dont la relation fusionnelle va évoluer au fil de l'ascension sociale de la fille. Et puis dans La Lignée, votre nouveau roman dont nous allons parler ce soir, vous nous plongez dans une relation épistolaire entre deux écrivaines, Madeleine et Louise. L'une est une écrivaine confirmée qui est septuagénaire au début du roman et l'autre a tout juste 30 ans. Et elle commence son chemin vers l'écriture. Et à travers leurs conversations, vous les faites exister en tant que personnages. Vous nous livrez aussi toute une réflexion sur ce que c'est que de consacrer sa vie à l'écriture, que d'être une femme écrivaine, mais aussi sur la façon dont les idées naissent et dont le sillon de l'œuvre se creuse de livre en livre. Alors pour plonger dans ce roman, j'aurais souhaité commencer par une citation d'une des lettres de Madeleine qui dit « Quand on publie un livre, il y a toujours quelque chose à quoi l'on a été obligé de renoncer ». Et ce n'est pas si grave, si je n'ai pas pu parler de cela maintenant, c'est la raison pour laquelle j'écrirai d'autres livres plus tard. Et puis à la fin de La Lignée, vous précisez aussi que ce roman n'existerait pas sans votre roman précédent. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui a été à l'origine de La Lignée ? Oui, je peux le raconter. Et déjà, merci pour cette magnifique introduction, tout à fait vraie. Voilà, il n'y a pas un mot que je changerais. Tout est vrai. Oui, ça fait 2 romans où je prends le jeu pour la première fois. Je crois qu'avant, je n'étais pas prête. J'avais un gros syndrome d'imposteur. Il y avait des petites choses qui n'étaient pas encore bien réglées pour moi, pour bien me redresser. Et l'année dernière, en fait, j'ai écrit L'Envol, qui retrace l'histoire d'une mère et sa fille qui finissent par s'éloigner peu à peu parce que la fille fait des études, la mère ne comprend pas forcément les aspirations de liberté et de lointain de sa fille. Et c'est l'histoire qui m'est arrivée avec ma propre mère. Et ce roman-là, j'ai pu l'écrire que quand notre relation était vraiment apaisée enfin, et c'était il n'y a que 2-3 ans. Et quand j'ai écrit ce roman L'Envol, évidemment, c'était une grande déclaration d'amour à ma maman. Elle l'a pas tout de suite pris comme ça parce qu'elle a eu du mal à rentrer dedans, pour être tout à fait honnête. Mais au final, elle a dit c'est magnifique, je ne savais pas que tu avais autant souffert de ton côté aussi. Et puis c'est vrai qu'on ne se dit pas assez qu'on s'aime. Bref, petit point sur L'Envol, tout ça pour vous dire que je n'aurais pas forcément osé prendre la plume pour parler de nous et de moi. Je l'ai fait surtout pour raconter son point de vue à elle. Il y a tellement d'injustices qu'elle a pu vivre et notre relation aussi a pu en souffrir, que je me suis dit qu'on n'était pas les seuls à avoir vécu tout ça et que ça valait le coup de raconter notre histoire parce qu'il y en a d'autres qui se sentiraient moins seuls. Et en fait, cette histoire, je me suis aussi sentie autorisée à l'écrire quand un journaliste m'a dit « Mais en fait, j'ai vu, quand vous avez écrit Née sous une bonne étoile, ça se passe dans des tours HLM, et j'ai fait des petites enquêtes, et j'ai l'impression que vous avez grandi à Massy, et puis que votre mère était ATSEM, votre père était peintre automobile, et que vous avez fait des études et pas eux. » Je fais « Oui. » Il me dit « Bah ça, c'est une transfuge de classe. »
je ne connais pas le mot, mais lui, il avait fait une enquête et il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas de m'adresser aux enfants qui ont réussi, ils ont déjà tout le temps le micro dans la main. Par contre, j'aimerais m'adresser aux parents. Est-ce que votre mère serait d'accord pour participer ? Et alors, ma mère avait dit, d'accord, je veux bien participer au livre que lui était en train d'écrire, où il rassemblait une quinzaine de témoignages. Et Annie Ernaux, donc, qui n'était pas encore prix Nobel à ce moment-là de littérature, avait été la marraine de son livre, parce qu'elle aussi est une transfuge de classe, donc c'est-à-dire que ses parents étaient épiciers, et elle a fait des grandes études, et maintenant, ben voilà, elle est écrivaine. Et elle avait dit, en lisant le livre, « Oh, la relation entre Corinne et Aurélie est très mignonne. Je me demande d'ailleurs ce que ma propre mère aurait répondu à toutes ces questions. » Et là, je me suis dit, elle existe. Elle m'a donné envie de raconter ma propre histoire juste après. Et il faut absolument que je lui dise merci. Donc quand j'ai eu fini d'écrire l'envol, je suis allée à l'imprimerie. J'ai été chercher 2 exemplaires avant qu'ils sortent partout. Un pour ma mère et un pour Annie Ernaux. Et je lui ai envoyé une petite lettre où je lui disais, voilà, je ne vous vole pas votre temps, je n'attends rien de vous, ni que vous me répondiez, ni que vous lisiez mon livre, mais juste pour vous dire merci. Sans vous, ce livre-là n'existerait pas. Et c'est grâce à vos écrits et à vos mots d'encouragement que je me suis sentie autorisée à moi aussi raconter mon histoire et celle de ma mère. Et voilà, l'histoire aurait dû s'arrêter ici. Et un mois plus tard, on est le 8 mars, je reçois dans ma boîte aux lettres une toute petite lettre, une petite enveloppe avec un timbre Golden Retriever, qui est mon chien, mais personne ne peut le savoir. Et j'ouvre, enfin je retourne et je vois marqué derrière Annie Ernaux, Sergi. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, elle est prix Nobel depuis genre 2 mois. Et elle a pris le temps de me répondre alors qu'elle doit recevoir un courrier monstre. Et donc là, toute la soirée, j'ai tourné autour de la lettre. Je n'avais pas du tout envie de l'ouvrir parce que je me suis dit, c'est trop important. je laisse encore tous mes rêves et mes espoirs dedans. Et finalement, j'ai ouvert. Et à ce moment-là, c'était des mots magnifiques. Elle me racontait que ma lettre l'avait infiniment touchée. Qu'elle savait qu'il m'avait fallu beaucoup de courage pour entreprendre le roman sur ma mère et moi, et que ce courage-là, je ne pouvais pas l'avoir à 20 ans, et qu'elle était comme moi, et il faut du temps pour laisser advenir certaines histoires. Et bref, elle continue avec des mots magnifiques. Et là, je me suis vue m'installer à mon bureau, prendre un crayon, une feuille, et lui dire « Chère Annie, je vous remercie pour vos remerciements. » Et d'ailleurs, j'aurais des tonnes de conseils à vous demander. J'ai l'impression que vous avez vécu ma vie avant moi. Et puis là, je me suis dit, attends, tu es en train de faire exactement ce que tu connais très bien. C'est-à-dire que parfois, moi, je me réveille le matin et j'ai une chance incroyable. Je peux ouvrir ma boîte email et il y a des messages de lecteurs dans la nuit où on m'a écrit. Et je les lis tous. Et après, j'essaye de répondre à une partie au maximum. Et après, je commence ma journée quand même de travail. Et je sais d'avance que sur les 10, par exemple, où j'ai répondu, dans la journée même, les 10 m'auront de nouveau écrit en disant « Ah, incroyable !» D'ailleurs, j'avais aussi un manuscrit à vous faire lire. Et je me dis « T'es en train de faire ça, en fait, avec Annie Ernaux. Et tu peux pas lui voler son temps. Elle a pas 40 ans comme toi. Elle en a plus de 80. Et ce que t'attends d'elle, en fait, c'est pas une réponse à des lettres. Parce que tous ces conseils-là, tu les connais déjà. Je connais sa vie par cœur. Je l'ai écouté en interview. Je connais tous ses livres, ses journaux intimes. » Et en fait, je ne peux pas lui voler son temps. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que ma lettre, je vais l'écrire bien. Et je vais la laisser reposer. Et demain, je vais me remettre à mon bureau. Et je vais me dire que c'est moi, Annie Ernaux. Et je vais me répondre moi-même à toutes les questions que je me pose ou les conseils que j'aimerais avoir. Et puis le lendemain, j'ai refait une autre lettre. Et puis le surlendemain, Annie, Madeleine, répondait. Et en fait, ce personnage de Madeleine, c'est pas seulement Annie Ernaux, c'est aussi Marguerite Yourcenar, c'est aussi Marguerite Duras, c'est aussi Kafka, Beckett. J'ai lu tellement de journaux intimes, de correspondances, de créateurs, d'artistes, que je sais ce que c'est que la vie de quelqu'un qui est passionné et qui a du mal à protéger son temps de certaines contraintes et d'injonctions. Et j'avais vraiment envie, voilà, de donner tous les conseils que j'aurais aimé recevoir il y a 10 ans quand j'ai cherché à me lancer dans l'écriture et que c'était assez compliqué de se lancer comme ça dans le vide, faire un grand saut. Et voilà. Et donc j'ai inventé cette relation épistolaire où le point de départ était quand même une vraie lettre que j'avais reçue d'Annie Ernaux. Voilà, je fais des réponses méga super longues à des questions très courtes. Je m'excuse.
Et non, et en effet, on plonge dans cette correspondance qui nous permet de découvrir justement tous ces questionnements desquels naît l'écriture et que provoque l'écriture également. Et donc, on apprend à connaître Louise et Madeleine, mais uniquement par cette correspondance. Et donc, par leurs mots, il n'y a pas de narrateur extérieur. Elles ne se rencontrent jamais. Donc, l'intégralité de leur relation passe par ces mots. Alors, comment ça s'est passé au moment de l'écriture? Comment ces personnages se sont construits pour vous? Est-ce qu'elles se sont mises à exister au fur et à mesure de l'écriture, uniquement par leurs mots? Est-ce qu'elles se sont construites l'une par rapport à l'autre? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Et quelle était votre relation à elles? Déjà, j'ai eu de la chance sur ce roman-là. J'ai trouvé le titre tout de suite. C'est-à-dire que je savais que je voulais l'appeler La Lignée. Et je savais qu'il y aurait un prologue, tout un roman épistolaire et un épilogue. Et je savais exactement ce qu'il y aurait dedans. Donc là, je sais au départ que je vais avoir un personnage plutôt jeune qui va évoluer d'une certaine manière. Donc elle passe d'un point A à un point Z, avec peut-être un point... Et Madeleine, à l'inverse, passe de son point A à elle à un point Z, mais leur trajectoire, forcément, elle se croise. Donc il y aura un point un peu intermédiaire en M. Mais moi, je ne sais pas te dire quand il y est dans le livre. Et donc, je sais voilà, que la petite jeune écrivaine, qui a plein de doutes, et des doutes, elle va les garder quand même très longtemps, parce que je pense que ça fait partie aussi de sa vie, c'est sa nature, et elle a besoin de soutien, mais elle en aura besoin de moins en moins. Et elle va pouvoir s'émanciper au fur et à mesure des épreuves dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment sa trajectoire. Et Madeleine, elle n'écrit plus depuis quelques années. Elle est là, mais elle n'est plus très active dans la vie réelle. Et grâce à la relation épistolaire avec Louise, elle va reprendre aussi une utilité sociale, un rôle, et ça va être beau de la voir se réouvrir à tout ça et à la vie. Et donc voilà, j'avais aussi envie que Madeleine ait une belle trajectoire d'évolution, ou de nouveau, il y a plusieurs étapes. Et à côté de ça, malheureusement, ce roman, il a été écrit pas comme les conseils que je donne parfois dans des masterclass ou avant, quand j'écrivais avec un narrateur omniscient, c'était assez simple. J'avais une idée en tête, une histoire, et puis j'appuyais play dans mon cerveau. Je me mettais devant un ordinateur et je déroulais. Alors, c'était quoi mon plan? Ah oui, j'avais dit qu'il se passait ça, puis il se passait ça, et je déroule le film. Très facile. Mais quand on écrit avec un narrateur en jeu, je découvre depuis deux romans que c'est plus une grosse galère. En tous les cas, moi, je me dépatouille comme je peux, mais c'est moins fluide dans ma façon d'écrire. Et donc, dans celui-ci, je me suis retrouvée avec plus de 500 pages, je ne sais pas, 600 ou 700 pages de fragments, c'est-à-dire des choses que j'ai à dire sur l'écriture, ce que c'est de se retrouver parfois confronté à des remarques qu'on ne comprend pas et qui pourtant nous arrivent très régulièrement, etc., etc. Donc, plein de petits bouts, comme des paragraphes, que j'avais écrit dans un ordre complètement je laisse venir. Donc ça, c'était plutôt avril, mai, juin l'année dernière. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est super, mais si j'imprime tout, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce qu'il faut recréer et se dire, ce paragraphe, il va à qui? Il va à Madeleine ou il va à Louise? À quel moment de l'histoire? Parce que tous ces conseils-là, évidemment, ce n'est pas que Madeleine qui les donne à Louise, sinon ce serait trop facile. Il y a aussi, on fait évoluer les deux. Donc ce roman-là a été construit en fragments, plutôt à tâtons, plutôt dans le noir, et ça a été un vrai magma dans lequel je me suis noyée, vraiment, à me dire. Puis en plus, sur l'écriture, j'ai tous les jours quelque chose à rajouter. Encore aujourd'hui, s'il était en cours, tous les jours, j'ai une nouvelle phrase que j'aimerais mettre. Donc c'était bien que le point final existe à un moment donné, parce que sinon, on peut y passer sa vie sur un roman. Donc voilà, donc celui-ci, je me suis vraiment... j'étais très contente de traiter de ce sujet-là. J'étais très contente aussi de ne pas l'avoir fait sur L'Envol, le roman précédent, qui était quand même très personnel par rapport à mon parcours. Et je m'étais dit, mais si à la fin, elle devient écrivaine, j'écrirai plus jamais de ma vie, parce que là, c'est le roman où je raconte tout. Donc j'ai trouvé un petit twist. Mais celui-là, je pense que ce sera certainement le seul roman que j'écrirai sur des écrivaines. Mais j'avais vraiment envie aussi de dire l'histoire de personnes passionnées. Comment on arrive à protéger notre temps et à rester celui qu'on doit être, celui ou celle. Et on va y revenir, bien sûr, mais avant tout, cette correspondance de Louise et Madeleine, elle est composée uniquement de lettres manuscrites. Et ce détail qui n'en est pas un, il transparaît dans leurs lettres. Elles choisissent soigneusement le papier, l'encre, elles ajoutent parfois dans l'enveloppe une plume, un pétale de fleurs. C'est très présent dans leur conversation. C'est une correspondance qui est soignée, qui n'est jamais écrite à la va-vite. Dans quelle mesure est-ce qu'on écrit alors différemment lorsque les mots passent par le geste de l'écriture, plutôt qu'à taper Alors moi, je l'ai vraiment vécu déjà en écrivant à Annie Ernaux. Après, j'ai aussi écrit à une sociologue qui s'appelle Rosemarie Lagrave, qui est spécialiste aussi des transclasses. J'ai écrit, et quand je vois très bien que quand j'écris une lettre à quelqu'un,
je n'arrive pas à mettre un point à ma phrase. C'est-à-dire que vraiment, j'ai quelque chose à dire, je vois bien que la feuille est très très courte, et que moi vraiment je fais des romans, donc la page A4 ne me suffit pas. Mais je sais aussi que c'est voler du temps que de faire plus long qu'un recto verso A4, donc je savais que pour chaque courrier que je ferais un jour dans ma vie à quelqu'un que j'admire, je ne dépasserais pas ce format-là. Et donc je me vois raconter un truc, mais j'ai encore un autre truc à dire au moment où je raconte ça, puis la phrase elle s'allonge. Et donc je vois très bien que le rythme d'écriture et la musique est très différent de d'autres romans où les phrases sont peut-être plus courtes, où c'est plus descriptif, il se passe ci, il se passe ça. Là je sentais que c'était très lié à la pulsation même de mon cœur ou de mon émotion au moment où je m'adresse à quelqu'un que je respecte. Et j'avais vraiment envie que cette relation entre L2 soit épistolaire. Mon éditeur, quand je lui ai dit que ce serait donc un roman entre deux écrivaines et qu'avec des lettres, il m'a regardé, il m'a dit « Aurélie, on est en 2024, qui s'écrit encore des lettres ?» Et là, je lui ai dit « Très bon point, mais sache que moi, j'ai écrit une lettre à Annie Ernaux alors que j'avais son adresse email et qu'il était hors de question, alors que je respecte infiniment cette personne, que je lui envoie un email. J'ai l'impression que c'est comme si je lui envoyais un cookie, enfin, je sais pas, un truc qui ne va pas. Alors que vraiment, c'est tellement beau d'attendre près de sa boîte aux lettres, d'espérer un peu, de voir qu'elle a peut-être tremblé ici ou fait une petite tache d'encre. Enfin, là, c'est, quelque part, j'ai presque l'impression d'avoir un petit bout d'elle. C'est horrible, hein, ça fait genre je me l'accapare, mais c'est tellement plus vivant. Je vois son âme à travers les mots qu'elle choisit, là où le E n'est peut-être pas exactement écrit comme le reste. Donc pour moi, c'était évident que si j'avais dû avoir pour de vrai, ce que j'aurais adoré, une correspondance avec Annie Ernaux, ça aurait jamais été par email, sauf si elle m'avait dit j'ai mal à la main, je préfère taper sur un clavier. Et à la limite, oui, j'aurais pu attendre devant ma boîte aux lettres de recevoir un truc tapé sur l'ordinateur, mais il y avait un peu moins de charme peut-être. Et bref, donc là pour moi c'était évident qu'elle devait se montrer aussi cette forme de respect. Et puis moi, pour boucler la boucle avec mon éditeur, je lui ai quand même dit écoute, on va commencer le roman avec une phrase qui va être que font les écrivains quand ils n'écrivent pas ? Ils s'écrivent. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en vrai, je n'écris pas à d'autres écrivains ou écrivaines tous les jours, mais j'avais envie de croire que si quelqu'un sur cette planète avait encore un attachement au papier, à l'encre, au timbre, à la correspondance, et aux belles phrases et aux belles lettres, c'est en premier lieu les écrivains et les écrivaines. C'est aussi un roman où il n'y a aucune date. Oui. En fait, je ne voulais pas mettre une date de manière arbitraire, parce que je savais que ça allait évoluer sur des décennies. J'adore l'idée que mes romans puissent être lus dans 20 ans et aussi qu'ils puissent être lus il y a 20 ans. Donc généralement, il n'y a aucun même événement pour dater. Là, j'ai peut-être mis une phrase où je parle de Virginie Despentes et d'Adèle Haenel ou à un moment donné, donc ça fait clairement référence au César. Donc moi, je le sais et peut-être que je ne vais peut-être pas l'enlever pour le livre de poche, mais c'est le genre de truc où je me dis, j'aime vraiment quand il n'y a aucune référence et que chacun peut se l'approprier comme il le veut. J'aurais adoré pouvoir dire combien de temps s'écoule entre chaque lettre, mais il aurait fallu que je fasse des choses de manière arbitraire et je suis incapable en fait de trancher, de dire là ça va être le 28 janvier, là ça va être donc j'avais juste envie de me laisser surprendre par les saisons qui passent et de dire ça fait très longtemps que nous ne sommes pas écrits et de laisser le flou, voilà. Oui. Et on voit le temps qui passe de toute façon à travers ce qu'elle raconte, bien sûr. Alors la première lettre de la lignée, celle du prologue, elle est écrite par Louise, mais à ce moment-là elle a 10 ans. Et déjà, elle rêve de devenir écrivain. Et donc, dès les premières pages, est abordée une des questions centrales de ce livre, à savoir qu'est-ce qui fait que l'on devient écrivain. Est-ce que, selon vous, c'est nécessairement lié à l'enfance ? Je pense que c'est lié au rêve. C'est lié à le fait d'adorer qu'on nous raconte des histoires, que ce soit quelqu'un qui nous raconte les histoires ou que ce soit nous qui soyons lecteurs. Moi, j'ai commencé par ma mère qui, dans le lit, tous les soirs, me prenait à côté d'elle dans son grand lit. Puis il y avait mon frère de l'autre côté. Puis elle nous racontait, alors, j'avais 3-4 ans, des histoires tous les jours. Et ensuite, j'ai écouté Marlène Jobert sur mon manche-disque. Ça, personne ne sait ce que c'est qu'un manche-disque. Voilà, donc c'était une espèce de radio CD. Personne ne sait ce que c'est qu'un CD. Bon, MP3. Et oui, j'avais vraiment le fait qu'on me raconte des histoires, ça m'a toujours portée parce que j'ai beaucoup de créativité. Mais est-ce que j'avais beaucoup de créativité ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est à force de me raconter des histoires où vraiment mon esprit... Ah, le monde ne suffit pas. Il faut que j'invente plus et que tout soit plus optimiste, plus solidaire. Et donc, oui, petite, j'avais cette passion absolue de la lecture, sûrement de l'écriture aussi, mais j'osais pas trop y aller. Je sais que j'aurais adoré demander en cadeau de Noël une machine à écrire, mais j'étais très impressionnée par la machine parce que si on m'avait mis un papier
avec la machine. Moi, je ne sais pas créer dans l'ordre, faire des phrases qui sont parfaites. Donc, j'aurais gâché un nombre de papiers hallucinant. Et comme disait ma mère, papier, ça coûte cher. Donc, le papier coûte cher. Donc, non, en fait, je ne vais pas écrire ou pas comme ça. Et donc, on se dit rapidement que bah, si on ne sait pas utiliser de machine à écrire, c'est qu'on n'est peut-être pas forcément écrivain. Donc, on oublie un petit peu ses rêves d'enfant. Et puis, moi, tout ce que j'avais appris dans la vie, c'était avec l'école. Et il n'y a pas d'école pour être écrivain. Donc, c'est que ce n'est pas un vrai métier. Donc, on n'ose pas rêver. Puis, même quand on met sur la fiche de renseignement métier qu'on veut faire plus tard, moi, au début, j'avais dû mettre écrivain. Et puis après, arrive au collège, on n'ose plus mettre écrivain, donc on met journaliste. Et puis après, on va dire, bah, je sais pas, autre chose. Mais vraiment, nos propres rêves sont que personne ne dise rien, on les réduit un petit peu. Et en fait, ça avait toujours été là. Et j'ai toujours adoré les livres. Et maintenant, je me rends compte que je deviens même une lectrice plus qu'exigeante, quoi. Quand je lis un livre, j'ai envie de découvrir la fin. Et s'ils n'ont pas fait comme je voulais, je suis déçue en me disant, ça aurait été tellement mieux mon idée. donc heureusement, j'ai mon propre espace de liberté pour inventer toutes mes histoires. Alors, à travers les parcours de Madeleine et de Louise, apparaît l'idée tout de même qu'il est loin d'être facile de placer l'écriture au centre de sa vie, en particulier lorsque l'on est une femme, et nous y reviendrons, mais aussi que l'écriture relève de la nécessité. Vous écrivez ainsi notamment, on écrit parce qu'on ne sait pas dire, mais aussi on devient écrivain parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'avant d'écrire, déjà, on ne savait pas vivre, pas être comme les autres. Alors, est-ce que le chemin vers l'écriture naît d'une difficulté à être au monde ? J'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée. Moi, ce que je dis aussi dans ce roman-là, mais vraiment, j'ai presque fait une thérapie toute seule hein, avec ce livre, c'est que tout ce qu'on me reproche depuis que je suis petite, tous mes soi-disant défauts, d'un seul coup, quand j'écris, ils deviennent une force. Je suis hypersensible, c'est-à-dire que vraiment, je peux être amenée à... Déjà à rougir bêtement, à être un peu timide, ensuite à, j'ai trop de créativité. Quand je travaillais en monde de l'entreprise, mes chefs m'engueulaient à moitié parce qu'ils me disaient « on t'a demandé de refaire comme l'année dernière ». Je ne peux pas faire deux fois la même chose, donc je suis obligée de réinventer. Quoi d'autre ? Vraiment, j'ai l'impression que tout égoïste. Oui, en fait, moi si je ne suis pas heureuse moi d'abord... Je ne saurais pas être heureuse avec mes enfants et mes enfants ne seront pas heureux. Donc il faut que je me sente bien à ma place. Je ne pourrais pas me sacrifier. Il y a vraiment un truc, une résistance physique. Je ne peux pas aller les emmener au parc parce que ça leur ferait peut-être plaisir. Par contre, on va être à la maison, on va faire un super jeu tous ensemble, mais je ne ferais pas un truc qui, moi, je sens que ce n'est pas ma place. Je sens que... Et vraiment, ça résiste intérieurement. C'est comme je ne sais pas mentir. Je ne sais pas... Enfin, il y a plein de petites choses qui font que c'est vraiment considéré... par les autres comme différents, comme pas normal, parce que j'aime pas trop les vacances, j'aime pas trop le sucré. non, mais c'est des tout petits détails, on s'en fiche, hein, ça, c'est pas pour ça qu'on devient écrivain, mais qui fait qu'à chaque fois j'ai l'impression d'être l'embêtante de service, et ça ne se justifie qu'à partir du moment où finalement, dans ma propre voix, d'une liberté absolue quand on écrit, bah, ça va un petit peu mieux. Et je pense que c'est pas par hasard effectivement qu'on devient artiste ou qu'on crée des choses, c'est qu'elles nous manquent. C'est pas par hasard qu'on écrit, c'est qu'effectivement on ne sait pas dire. Et je ne sais pas si c'est lié à certains milieux ou éducations où on nous apprend à être poli, à ne pas mentir justement, ou à pas blesser les gens. Et puis quand on déborde en termes d'empathie, bah, effectivement on veut blesser personne, mais on a tellement de choses qui nous semblent injustes ou qu'on aimerait dire. Et on nous dit non, garde-le, garde-le. Et puis au bout d'un moment, ça déborde, donc il faut que ça sorte. Et c'est ce qu'on appelle exprimer, donc on le fait sortir. Et le livre, c'est le meilleur moyen. Donc tout allait bien quand c'était des histoires écrites à la troisième personne, où je prenais des situations complètement injustes qui existent dans la vraie vie, que je vois, que je ressens, qui concernent plutôt mes proches, ça va bien. Mais quand d'un coup on prend le jeu et qu'on dit ce qui se passe aussi au fond de soi peut-être, parce que c'est un jeu très universel, ça passe pas si facilement que ça aussi auprès des proches. Donc il faut aussi se dire, on n'écrit pas pour sa famille, on écrit malgré elle. Donc, mais par contre, comme c'est mon métier, je vais continuer à écrire et à écrire ce que je pense et ce que je pense être vrai pour cette histoire-là, pour ces personnages-là, sans que ça soit Aurélie qui dise « voici ce que je pense moi ». Elle s'appelle pas Aurélie. Mais c'est sûr que c'est un long trajet où... vraiment, j'avais l'impression de passer ma vie à me demander pourquoi j'étais pas normale, pourquoi j'étais pas comme tout le monde, pourquoi. Bah maintenant, on va se dire effectivement, je ne suis pas comme tout le monde et pas normale. Mais qui est normal ? Personne. On est tous différents les uns des autres. Et de cette différence, je vais essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Et on va l'assumer, parce que sinon, on perd trop de temps à se dire essayons de faire comme tout le monde. Non, on va essayer de faire comme on peut déjà. Voilà.
Et puis, il y a ce titre du roman que vous avez évoqué déjà, La Lignée, qui parle donc cette, enfin, qui fait référence à une lignée de femmes écrivaines inspirantes qui autorise de jeunes autrices à se lancer. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la relation entre Madeleine et Louise, entre lesquelles va se produire une véritable transmission, d'ailleurs dans les deux sens. En quoi est-ce qu'il est alors difficile de se sentir autorisée, en particulier lorsque l'on est une femme ? Et dans quelle mesure cette lignée est essentielle? En fait, et même dès le prologue, en fait, je crois que Louise dit « Quand je serai grande, j'aimerais être écrivain, si je ne me trompe pas, si je l'ai bien laissé comme prévu, parce que j'ai hésité 40 000 fois. » Et je savais que la dernière lettre et le dernier mot de ce livre, ça ne serait pas la lignée, mais ça serait écrivaine. Et pour moi, c'est un tout petit « e », mais il veut dire tellement. Parce que quand j'étais petite, moi, j'ai dit à ma grand-mère que je voulais être écrivain. Et très rapidement, je ne me suis pas sentie autorisée parce que le mot n'existe même pas. Et quand on arrive en école, on nous fait étudier des vrais écrivains. Des écrivains, Victor Hugo, Albert Camus, Boris Vian, écrivains reconnus, des hommes. Eux, ils ont fait quelque chose. Eux, ils sont grands. Eux, ils sont souvent morts. Et là, on se dit, bon, mais moi, j'aimerais quand même bien être écrivain, mais je ne me sens pas exactement légitime. Pourquoi ? Bon, j'en sais rien, mais je vais peut-être un jour écrire, je ne sais pas, peut-être comme ça, sans me prendre trop au sérieux, sans le faire vraiment, pour embêter personne. Je resterai bien à ma place. Et puis, en fait, je me dis juste si le mot écrivaine existait. Il y aurait combien de petites filles qui pourraient se projeter à l'âge de 10 ans, comme j'avais moi, ou 6 ans ou 10 ans, et qui pourraient dire, mais si, c'est un vrai métier. Et puis, le fait d'avoir aujourd'hui de nombreux exemples de femmes écrivaines assez jeunes qui gagnent leur vie avec leurs livres. On peut en vivre, en fait. À une époque, on disait, non, c'est vraiment, il y a maximum 10 personnes en France qui peuvent vivre de l'écriture. Alors, je donne la réalité financière, hein, c'est 5% du prix de vente qui revient à l'auteur sur un livre de poche. Donc, effectivement, il faut en vendre pour arriver. Mais on peut vivre de son écriture sans vivre de ses livres. On peut donner des cours, on peut écrire des scénarios, il y a des milliards de choses qu'on puisse faire quand on adore écrire. Mais c'est vrai que ce petit « e », passer de écrivain à écrivaine, pour moi, c'était vraiment le message aussi du livre. Quand un nom existe, c'est que c'est possible. Si le mot, déjà, on ne nous l'autorise pas, évidemment qu'on ne se sent toujours pas à notre place et illégitime à côté de tous les autres. Là. Ils sont tous plus garçons les uns que les autres. Et en fait, maintenant, heureusement, il y a aussi des nouvelles voix qui émergent. Et juste d'avoir le métier qui existe, d'un seul coup, on a peut-être le droit d'être là. Et puis moi, il y avait un truc qui m'agaçait un tout petit peu. Annie Ernaux, tout à l'heure, j'en parlais, elle a eu le prix Nobel. Et ils ont dit la romancière Annie Ernaux. Elle n'a jamais écrit un roman. Elle n'a fait qu'écrire des textes personnels, des récits. Et pourquoi on ne dit pas écrivaine ? Joël Dicker, qui est juste derrière, je l'ai vu, il ne fait que des romans. Et dès qu'on le présente, on dit l'écrivain Joël Dicker. Bon, alors on va se dire qu'on ne nous le donnera pas naturellement, le mot écrivaine. Donc on va aller le chercher. Et donc ça fait 2 romans ou 3. Dans ma biographie, j'ai décidé que je n'étais pas romancière, je n'étais pas je ne sais quoi, auteur, autrice. Écrivaine, parce que sinon, personne ne me le donnera. Donc je m'autoproclame écrivaine. Et maintenant, le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, j'en veux plus. Mais ça a été un long chemin. Mais c'est juste ça. Voilà, c'est un tout petit « e », mais qui fait que ça devient possible. C'est une porte qu'on peut prendre. Et potentiellement, même, on nous y attend. Et il y a des amis sur le chemin, femmes ou hommes, qui peuvent nous tendre la main et pas nous savonner la planche. Mais devenir écrivaine, c'est s'autoriser à consacrer du temps à l'écriture. Et il est beaucoup aussi question de ça dans les livres, parce qu'écrire, c'est travailler, c'est réécrire, c'est vivre en retrait du monde. C'est peut-être même n'être jamais pleinement présent au monde, car le livre ne cesse jamais vraiment de s'écrire. C'est aussi devenir une écrivaine aux yeux des autres et en premier lieu de son entourage. En quoi est-ce que ça n'est pas toujours évident pour l'écrivaine comme pour son entourage ? Oui, mais en fait, je tourne autour de... Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à un bout de la question, j'en ai bien conscience. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait égalitaires. Là, dans le train, je venais, et puis je lisais un article sur un écrivain, et il expliquait que pour bien travailler, alors je ne sais plus quel écrivain c'était, il interdisait quiconque de pénétrer dans son bureau de 8h à, je ne sais plus, 13h ou 14h. Et je fais, mais... À quel moment, moi, je peux faire ça avec mes deux fils qui grattent à la porte, mon mari qui a besoin d'une... Enfin, je veux dire, à quel moment... Alors, toi, j'ai un gros problème de charisme, c'est fort probable, mais j'ai comme l'impression que peut-être, c'est pas bien vu qu'une maman ferme la porte de son bureau. Déjà, c'est bien, j'ai une chambre à moi, je précise, un bureau avec une porte qui se ferme. Il n'y a pas de verrou, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Mais voilà, c'est vraiment... C'est difficile de voler du temps pour quelque chose, au début, que tout le monde prend pour un hobby.
qui est juste une petite passion comme ça. Déjà, quand je lisais, on va dire, tout le monde disait « Ah tiens, comme tu fais rien !» Non, en fait, quand je lis, je ne fais pas rien. Mais il y a des familles dans lesquelles lire, c'est ne rien faire. Et malheureusement, j'en connais beaucoup dans mon entourage proche, qui sont tous hyperactifs. Moi, on peut me laisser vraiment physiquement 4 heures de suite à la même place. Je tourne juste comme ça pour suivre les rayons du soleil. Mais j'ai mon livre, j'ai ma tasse de thé, je me resserre, et je ne fais que lire. Franchement, ma vie, je pourrais la passer à lire, à écrire, à regarder la nature, à aller marcher avec ma chienne, et je serais la plus heureuse des femmes. Sauf qu'on n'est pas censé dire qu'on n'a pas forcément toujours besoin des autres. Moi, la solitude, c'est ma meilleure amie, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai besoin aujourd'hui de fermer la porte de mon bureau. J'ai besoin de dire non, pas maintenant. Et ça, malheureusement, je peux le faire que de 8h30 le matin jusqu'à 16h. Je dis malheureusement non, j'en profite. Et c'est une solitude choisie parce que je sais qu'à 16h, la maison redevient pleine de vie. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on m'empêche d'écrire. Et il y a tellement de petites contraintes ou autres qui tous les jours viennent grignoter et nous voler du temps. Tiens, tu pourrais pas faire... En fait, non, un roman, il s'écrit pas tout seul. Et il faut vraiment protéger les portes de son temps pour sa passion, mordre au mollet s'il faut, parce que sinon, ce temps-là, il nous échappe. Et malheureusement, on a 30 000 jours à peu près, si tout se passe bien dans une vie. Chaque jour de perdu, c'est un jour où on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire pour s'accomplir soi et se sentir à sa place et heureux. Donc, et notamment quand on est une femme, pour l'avoir vécu, là, mais les enfants qui disent « Maman, maman, maman !» Ah, le maman, à un moment donné, je me suis dit « Je vais claquer la porte et partir. » Vraiment, le fantasme de la fugue, c'est pas pour rien que c'est écrit en quatrième de couverture. Hein. Il y en a une qui est écrite pour fuguer, c'est Louise. Elle a les enfants qui sont très petits et ça lui demande, ça lui prend toute son énergie. Elle sent qu'elle se vide, elle sent qu'elle est fatiguée, elle sent que ça ne va pas. Et d'un autre côté, on a Madeleine. Elle a fugué, elle a quitté le monde pour pouvoir écrire. Et en fait, ça, bah, c'est aussi un fantasme. Moi, petite, je pense à 10 ans, j'avais prévu mon sac à dos, j'avais prévu mon vélo, j'avais regonflé les pneus, mis une petite lampe, et j'avais dit, je vais fuguer. Et puis finalement, en plus, je connaissais le chemin par cœur, je voulais aller chez ma grand-mère, il fallait prendre l'autoroute comme ci, comme ça. 1h30 de voiture, c'est facile. Et puis à un moment donné, j'ai eu un gros moment de flemme en me disant, oh, ça fait loin quand même. Et je suis allée me recoucher. Mais j'ai vraiment eu ce... Depuis toujours, je veux ma liberté. Je veux... Bah là, je fais des rencontres en librairie, mais je me sens en vacances, alors qu'en vrai, je suis censée travailler. Enfin, c'est du travail, mais je suis tellement à ma place de pouvoir faire ce que j'aime le plus au monde, parler de livres, parler d'histoires qui me touchent, qui me portent et qui ne me concernent pas moi, qui nous concernent tous. Et voilà, donc je me sens vraiment... Voilà, c'est ça, c'est un appel à la liberté aussi, ce roman-là. Et quand on est une femme, on nous appelle plutôt à rester chez soi. pas à se balader seule dans un train à 22h le soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore comme bricole? Mais qu'est-ce que tu faisais dehors aussi? En fait, je vis ma vie et je ne vais pas rester chez moi. En fait, ma vie, elle a le droit d'être en extérieur aussi. Donc voilà, je fais des réponses un peu de biais à des questions, mais effectivement, je pense que j'aime pas du tout dire c'est 1000 fois plus dur pour nous, les femmes, etc. Parce que j'aime pas le côté victime, mais il faut juste prendre conscience qu'à plein d'endroits, on nous attend plus à la sortie de l'école. Et moi, par exemple, quand j'arrive sur les salons, et c'est vraiment véridique, hein, je l'ai vécu à Brive et je l'ai revécu la semaine dernière dans une librairie à Clermont-Ferrand, je ne balancerai pas plus. La première question qui m'est posée, c'est on est content que vous soyez là, mais qui garde les enfants? Et là, je me dis, mais ils l'ont posé à Marc Lévy, la question, qui garde les enfants là? Mais je ne suis pas divorcée. Mais ils ont un père. Mais ça traumatise tout le monde, en fait, de dire, mais on est le week-end quand même, et c'est 2 jours ou 3. Bref, c'est 3 jours de salon. Le pauvre. Oh là là, vous avez un bon mari. Oui, oui, oui. Et c'est très bien. Et je l'entends. Mais et vraiment, moi, le mot charge mentale, je ne sais pas, je l'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est tellement équilibré qu'il n'y a pas la charge mentale. On emmène les enfants un le matin, un l'après-midi. On les emmène et on va les rechercher. Donc, c'est plutôt bien équilibré. Et là, effectivement, pendant un mois, c'est pas un mois et demi, je suis sur les routes. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, mon mari va partir. Un mois. Là, personne lui pose la question et personne ne me pose la question non plus. Donc, voilà, c'est un arrangement entre nous et tout va bien. Mais cette liberté-là de pouvoir faire son métier avec confiance, assurance et pas trop de petites questions, il faudrait que ça arrive pour la prochaine génération, si ce n'est pas la mienne. Et puis, à travers le parcours de Louise, on découvre aussi son parcours vers la notoriété. Alors, au début, elle publie son livre en auto-édition, et puis elle passe par les circuits d'édition. Elle découvre la relation avec son éditeur, qui n'est pas exactement celle qu'elle avait
en tête, imaginez. Et puis elle découvre les lecteurs aussi. Et c'est une des grandes affaires aussi du métier d'écrivaine. Madeleine écrit d'ailleurs à Louise, je ne crois pas à cette histoire d'écrivain qui écrit sans aucun désir d'être lu. Et puis plus tard, les lecteurs ne nous appartiennent pas, ils ne nous doivent rien ou pas grand-chose. Vous, en revanche, vous leur devez tout. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette relation singulière entre auteur et lecteur et de la place que tiennent les lecteurs pour vous au moment de l'écriture de chaque nouveau roman ? Alors, les lecteurs, mais c'est vraiment très démago de dire ça devant vous, du coup. Je n'aime pas trop ça. Mais non, pour moi, c'est vrai que le premier roman, je l'ai écrit en me disant « je veux écrire un roman ». Mais c'était mon rêve de petite fille. Il existe, il est là, il est dans l'ordinateur. Puis il a imprimé et on verrait... Je ne suis pas sûre d'en faire quelque chose. Et ça n'en fera sûrement rien. Enfin, vraiment, voilà. Et puis au bout d'un moment, on se dit « ah, j'aime bien la fin quand même de mon histoire. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et on finit par tomber en disant « allez, je me lance ». Mais il faut vraiment se maturer ce temps-là. Mais à la base, il n'y avait pas de lecteur prévu du tout pour Mémé dans les orties. Évidemment, une fois qu'il y a des lecteurs de Mémé dans les orties, quand on écrit le deuxième, ce n'est pas la même affaire parce qu'on sait qu'il y a potentiellement des lecteurs qui vont attendre quelque chose et on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est vraiment l'histoire qu'ils ont aimée ? Est-ce que c'est le fait de rire ou est-ce que c'est le fait d'être ému ? Est-ce que c'est juste le Vichy ? Est-ce que c'est juste le titre ? On suppose qu'il y a au moins l'histoire, parce que sinon, c'est quand même un peu embêtant. Mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, on sait bien qu'on n'est pas capable de faire deux fois la même chose. Donc on va juste essayer de se dire que la première fois, on était très naïf et qu'on se faisait confiance. Et on va se faire confiance pour un deuxième en priant que les lecteurs comprennent, suivent et soient aussi touchés. Et là, ça a été magique parce qu'effectivement, bah, de nouveau, il y a la confiance qui s'est recréée. Alors que j'avais, même moi, je me disais, si, En voiture Simone, c'est bien, c'est drôle, mais j'avais envie qu'il soit aussi autant émouvant que Mémé dans les orties, qu'il y avait les deux. Et j'ai pas réussi. Et je me suis dit, bah, en fait, sinon, vraiment, je le rendais pas à mon éditeur. Il était là, il tirait. Moi, je fais non, il tirait. Je fais bon, allez, vas-y, je te le donne quand même. Mais donc, en fait, cette relation avec les lecteurs, tout de suite, bah, ça me donne quand même une confiance en moi. Quand je doute, et c'est pas pour rien que je viens en dédicace chaque année et en rencontre comme ça, c'est que moi, je repars chez moi avec tous vos mots. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui me disent, on a dû vous le dire 100 fois. Alors vraiment, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais nanana. Je fais, en fait, si. À chaque fois, moi, j'ai un visage. Et vraiment, là, c'est la première fois qu'on se rencontre à Brest. Mais je sais que je vais vous revoir dans pas longtemps. Et que je vous dirai, on ne s'est pas rencontrés, nous, déjà. Et vous direz, si. Parce que vraiment, je retiens plutôt bien les visages. Et derrière, je repense à vos mots aussi. Et à ce qu'on m'a dit. Et parfois, il y a des gens qui m'ont dit, mais surtout, n'arrêtez jamais d'écrire. Alors ça, quand je suis perdue dans mon magma de 500 pages de fragments que je dois remettre dans l'ordre, je vais continuer. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête. Donc, je vais continuer. C'est toujours des petites phrases, mais qui me portent. Par exemple, quelqu'un qui va me dire, juste ce passage-là, j'en avais besoin et personne ne l'avait écrit comme ça. Et merci parce que je me sens plus seule. Donc c'est vraiment ça me nourrit. Mais vraiment, il y a des gens tout à l'heure qui me remerciaient d'être là. Je fais mais je vous avoue la vérité, c'est égoïste. C'est moi qu'on ait besoin. C'est vraiment moi qu'on ait besoin. Parce que quand on s'enferme, c'est 6 mois de solitude absolue. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon premier jet le 15 août. Je vais à Paris, je m'enferme 2 semaines dans une chambre d'hôtel. Je reviens pour la rentrée des enfants. Je laisse reposer le manuscrit et ensuite je relis. Et alors là, c'est toujours le moment où je dis souvent, je cherche la corde. C'est-à-dire vraiment, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver dans ce manuscrit. Et on n'a qu'une envie, potentiellement, c'est de recommencer un nouveau roman. Tellement plus facile que d'aller se confronter à celui qu'on doit faire et qu'on doit améliorer. Et donc, de septembre jusqu'à 29 novembre minimum, je suis toute seule avec ce texte qui n'avance pas comme je veux, qui ne va pas dans la bonne direction, qui... C'est juste nul. Et quand je relis, que je retravaille, c'est encore plus nul. Et en fait, je coupe des parties. Puis finalement, je me dis, oh, il faudrait créer 5 parties de plus. Et puis, tata, et je recule. Plus j'avance, plus je recule. Et donc ça, c'est vraiment, on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner. Enfin, il y a une partie très agréable dans la construction au départ, quand on invente et qu'on est Dieu. Donc typiquement, moi, ça va être à partir d'avril, mai, juin, où je suis sur une feuille de papier avec un crayon et j'invente et j'invente et j'invente. Et c'est génial. Vraiment, c'est génial. Quand on commence à mettre des mots et que ça devient concret... Bah, la nullité est concrète aussi. Et on se dit, mais c'est ton vrai nom. Tu ne peux pas laisser un truc moyen. Tes lecteurs, ils t'attendent. Et c'est là où ils sont dans le bureau. C'est là où ils sont dans le bureau dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils m'encouragent. Et quelque part, c'est une petite pression. Mais en vrai, la pression, je ne la sens jamais du côté des lecteurs. La seule pression vraiment que moi, je ressens, et tout à l'heure, on en discutait, c'est les proches. C'est-à-dire que moi, ma famille, à chaque livre, ils sont sûrs d'être dedans. Mais à chaque fois. Et donc, parfois, j'ai... Mais c'est hyper méchant pour nous. Comment ça ?
ben non, mais j'ai pas voulu, moi, être méchante du tout. Donc, cette année, pour la première fois, j'ai décidé de tous les faire sortir de mon bureau et de me dire, tu n'écris pas pour eux. Donc, mon père, je lui ai même dit, t'as pas le droit de me lire. Il m'a dit, ça va pas la tête, je suis ton père, je fais ce que je veux, j'ai envie de te lire. Tu pourrais me l'envoyer? Donc, je lui ai envoyé. Puis, au bout de, je sais plus, une semaine après, je l'appelle pour autre chose. Il me dit, ah oui, j'ai commencé ton livre. Ouais, je l'ai mis de côté parce que je cale un peu. Tu sais, moi, je préfère quand même les histoires qui parlent de guerre. Mais papa, je n'ai pas écrit pour toi et je n'ai pas besoin que tu me débriefes parce qu'en fait, ça va me blesser. Et puis, en fait, je ne veux pas que ma famille me valide. Et malheureusement, les parents ont toujours un regard un peu bienveillant, mais encore paternaliste. Et il m'a fait une petite remarque aussi qui était marrante. J'aurais demandé aussi de ne pas venir à mes rencontres parce qu'ils sont toujours là à écouter. Et c'est un peu bizarre d'avoir ses parents sur son lieu de travail, en fait. Et donc, mon père me dit, oui, au moins, il y a un ami à moi qui est venu t'écouter et il t'a trouvé très professionnel. Et là, je me dis, mais ça fait 10 ans, c'est mon métier. Ben, j'espère bien que je suis un peu professionnelle. Mais c'est toujours dit avec gentillesse, donc c'est un compliment. Hein. Mais moi, je me dis, ça montre quand même que, alors je ne sais pas, c'est pas lié à femme ou autre, mais je reste leur enfant. Je reste, c'est toujours étonnant tout ce qui t'arrive. Et là, quand je m'enferme 6 mois dans mon bureau et que tout le monde me dit, mais tu fais que ça en fait, travailler et tu t'arrêtes pas pour prendre des vacances et tu penses qu'à ça. Et bah oui, parce qu'en fait, je sais que si j'ai pas une date butoir, le livre il sortira pas et je le finirai pas. J'en écrirai 3 à la place, mais il n'y en aura aucun qui sera abouti. Donc moi, c'est ma contrainte. Je sais qu'il part à l'imprimerie le 15 janvier, donc c'est à moi de m'organiser. Et quand je suis à la bourre, et ben les 2 dernières semaines du mois de décembre, j'ai mis le réveil à 3h du matin. Et effectivement, le matin, j'ai des cernes et je suis fatiguée. Mais je dis pourvu que je ne chope pas la grippe et je continue. Mais c'est juste, c'est ça qui me rend vivante. C'est là où je me sens à ma place, c'est là où je me sens utile sur un maximum de gens. Et finalement, d'élever 2 enfants, je crois que la meilleure chose que je puisse faire en élevant 2 garçons, c'est leur montrer que leur maman, elle est aussi à sa place, pas toujours qu'à la maison. Et potentiellement, ils ne sont pas mécontents, ou ils sont peut-être même un tout petit peu fiers parfois, pas toujours. Hein. Mais le grand a décidé de faire son exposé sur quelqu'un, sur une célébrité, sur moi. Je crois que ça s'appelait vraiment la flemme. C'était juste que c'était le truc de facilité. Et il refait un exposé à la fin de l'année sur un de ses parents. Et il a choisi de me prendre moi. Bah moi, ça me fait plaisir. Donc bon, c'est pas une compète non plus. Mais j'ai gagné. Non, je rigole. Non, mais voilà. Donc c'est juste, effectivement, ça chamboule la famille. Parce que maintenant, je suis devenue très... Tout à l'heure, je pestais contre un écrivain qui disait de 8h à 13h, personne n'a le droit de rentrer dans ma pièce qui me sert d'écriture. Et d'un autre côté, en ce moment, ce que j'impose à mon mari quand même, c'est que je ne peux pas partir en voyage, ce que lui aimerait faire, de septembre au 15 janvier. C'est-à-dire que vraiment, physiquement, je ne ferai rien d'autre qu'écrire mon livre. Je suis à la maison, je vais chercher les enfants, je suis avec eux, et avant, et le soir, et je suis physiquement vraiment là, hein, je ne bouge plus du tout. Mais quand il me dit « Ah, ça serait cool qu'on aille une semaine à New York », à quel moment dans mon cerveau je vais être disponible pour profiter, sachant que je vais me dire tout le long, ta place, elle n'est pas là. Tu devrais être en train de bosser. La semaine que tu perds là, tu ne la récupéreras jamais. Et tout le travail que tu as fait avant, bah, tu t'en éloignes tellement que ça te va te demander de sortir les rames pendant 2 mois pour se remettre là où j'étais. Et donc forcément, bah, c'est pas vivre à deux avec des plans communs. Il faut se laisser la liberté à chacun. Et donc moi, je suis très contente quand il me dit, bah, voilà, je vais partir en Guyane 1 mois au mois d'octobre. Et je fais, voilà. C'est sûr, je n'accompagne pas. Donc voilà. Je garderai les enfants. Alors, un livre peut bouleverser et même transformer celui ou celle qui le lit, changer son regard sur le monde. Qu'en est-il pour l'écrivain ? Est-ce que vous diriez que chaque livre écrit ces 10 dernières années vous a transformé vous aussi ? Et de quelle manière vous ont-ils nourri, grandi, peut-être parfois aussi déstabilisé, remué ? Alors évidemment, déjà moi en tant que lectrice, les livres me bousculent et c'est aussi ce que je cherche. Moi, quand je prends un livre de quelqu'un d'autre, je me dis toujours... Je veux pouvoir lire quelque part, moi aussi, parce que je me sens tellement seule dans la vie, en règle générale, et avec ma personnalité toujours un peu à la marge, différente, que quand je trouve des frères et sœurs qui réagissent comme moi de manière un petit peu pas comme la norme, je suis toujours très très contente. Et après, en tant qu'écrivaine, effectivement, bah, j'écris plus de la même manière et chaque roman m'a transportée et m'a transformée plus. Je dirais que les huit premiers, donc de Mémé dans les orties à La Ritournelle, c'est vraiment des années de ma vie. Donc on peut voir grandir
mes enfants potentiellement, le regard que je porte, le regard tendre que je peux porter sur mes beaux-parents ou autres. Et puis au fur et à mesure, je grandis aussi. Et puis mon regard peut changer sur plein de choses. Et puis et maintenant, les deux derniers, c'est plus seulement des bouts de ma vie, c'est carrément des bouts de moi. Et je sens, voilà, je pense là à Voldemort, je sais pas si ça se dit, Harry Potter, le méchant. Bah, pour le tuer, il faut pas le tuer lui, il faut tuer son âme qu'il a dispersée, je crois, en 7 ou 9 Horcrux. Voilà. Et j'ai l'impression que moi, voilà, c'est ça. Je commence à mettre mon âme dans des bouts. Et puis, bon, ça restera des bouts de moi, même après ma mort. Parce que vraiment, ça capture des choses, des questions. En fait, moi, j'entre dans un roman à partir d'une injustice, de quelque chose que je ne comprends pas sur le monde, qui m'empêche de dormir la nuit, que j'aimerais vraiment voir changer, en me disant, c'est pas possible que collectivement, on fasse rien et que ça change pas. Et ce crayon-là, si ça pouvait être une baguette magique, eh ben, qu'est-ce que je peux faire ? Donc c'est vraiment mon point de départ qui fait me lever et me remettre au travail. Et c'est pour ça que là, je la cherche pas tellement, mon injustice, ça va me tomber dessus très très vite, je le sais d'avance, ça, c'est toujours là, chaque année, ça vient. Et ça me met au travail, je me rends compte que je ne lis que des livres sur ce sujet-là, que je me renseigne, que je vais interviewer des gens, parce qu'en fait j'ai une question, et à la fin du roman, je sais pas si j'ai la réponse, mais en tous les cas, j'ai ouvert plein de portes, je me suis sentie me débarrasser de plein de choses, de croyances ou autres, et j'ai l'impression d'avoir grandi. Donc ça a été le cas sur l'envol, ça a été le cas sur la lignée, et je pense même que ça a été le cas sur plein de choses. Née sous une bonne étoile, j'ai commencé en rentrant en me disant... En fait, c'est un livre qui parle de l'échec scolaire et le petit héros s'appelle Gustave, mais il est très inspiré de mon frère et de mon fils Jules. Et j'avais été attrapée la première semaine de CP au portail de l'école primaire par sa maîtresse qui m'avait dit « Ah, vous tombez bien, Madame Valogne !» Enfin, elle ne savait pas que je m'appelais Valogne parce que mon fils porte un autre nom. « Si je ne vous avais pas vu, je vous aurais convoqué. On a un problème avec Jules. » Et elle dit ça devant lui. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce qu'il est lent !» Et en fait, j'étais attaquée au cœur. Je me suis dit, mais en fait, mon frère a vécu ça. Toute sa vie, il a entendu des profs le dénigrer. Il continue aujourd'hui, alors qu'il a 37 ans, de croire qu'il est nul, parce qu'un adulte l'a dit quand il avait 5 ou 6 ans, et qu'il ne vaut rien. Et on lui avait dit, de toute façon, toi, tu seras essayeur de matelas. T'as un poil dans la main, c'est même pas un poil. Tu travailles pas. Et mon frère, il faisait 2h30 de devoir tous les soirs. Et il pleurait, et ma mère pleurait. Et moi, je regardais mes mots de dictée en 5 secondes. C'était bon, ça s'appelle quand même une injustice. Et donc cette histoire-là de ce petit Gustave, je l'ai vécu avec mon fils et je me suis dit, mais mon fils, il n'est pas bête. Oui, effectivement, il n'est pas fait pour l'école, mais je vois bien qu'il a une hypersensibilité. Je vois bien que sa passion, c'est de dessiner des labyrinthes. Il comprend des trucs en maths que personne ne comprend en 3 secondes. Là, il y a la prof qui lui disait, en 3 coups de couteau, couper un gâteau en parts égales. Elle lui dit, bah, trop facile. Et je suis là, on dit, attends, en 3 coups de couteau, couper le gâteau en part égale. Bah non, je n'ai toujours pas trouvé. Il dit, bah si, mais vraiment, quand il dit bah si, il l'a. Si vous voulez, je vous le donne, mais il y en a peut-être qui l'ont déjà. Non, c'est un vrai gâteau, hein. Donc mon fils, voilà, Jules, et donc après on va me dire qu'il est bête. Et alors, on coupe un gâteau une fois, deux fois, et attention, la troisième fois. Voilà. Bah oui, ça c'est mon fils. Donc il pense différemment. Mais est-ce qu'il est bête ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas fait pour l'école ? Je ne sais pas. Et donc, j'ai quand même fait des recherches sur aussi les enfants un peu différents, avec les 10, des troubles. Est-ce qu'il a un 10 ? J'en sais rien. Mais en faisant toutes ces recherches sur mon fils, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais alors, cette hypersensibilité, et puis cette façon de penser différemment, et l'esprit qui part dans tous les sens, et là, mais en fait, c'est peut-être, je me retrouve un peu aussi. » Et donc, même le livre « Naît sous une bonne étoile », eh ben, je me suis découverte hypersensible, je me suis découverte plein de petites casquettes que... En fait, qui explique beaucoup de choses. Et je me dis, ah, si je l'avais su bien plus tôt, je me serais foutu la paix bien avant. Parce qu'en fait, juste d'avoir le mot, encore une fois, qui existe, ah, bah, je suis ça, moi. Eh bien, tout va mieux. Et donc, en fait, voilà, je sais que dans chaque livre, moi, je cherchais quelque chose. Et à la fin, j'ai trouvé, moi, un peu d'apaisement. En voiture, Simone, c'est une grosse comédie sur l'intégration de 3 belles filles dans une belle famille. Je sais que le point de départ, c'est moi, extrêmement malheureuse. Parce que j'arrive pas à intégrer ma belle famille. Et c'est une comédie, on fait que rire tout le long. Mais je me suis souvenue viscéralement que je trouvais pas ma place et que j'étais pas heureuse et que j'y arrivais pas et qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et les 3 belles filles, en fait, à la base, c'est moi. Tous les défauts des 3 belles filles, c'était les miens. Mais juste comment on fait pour se dire que ça va aller. Donc je me sens grandir, je me sens plus à ma place à chaque fois. Et voilà, et oui. Je peux faire très très long sur une toute petite question. Vraiment, je continue de m'en excuser. Bien, merci beaucoup Aurélie Valogne. Alors peut-être que les personnes dans le public ont des questions à poser.
C'est un dilemme, on va le dire. Parce que quand on lit un livre passionnant, ou bien quand on commence à l'écrire, on oublie absolument tout ce qu'il y a autour de soi. On n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de boire, la famille nous dérange. On est dans son monde, un monde absolument particulier, et on ne vit pas le présent. On n'est pas dans le vrai monde, à dire qui est aussi notre monde. C'est-à-dire qu'on se coupe, on s'isole. Et ça peut durer des heures. Et tout d'un coup, on a l'impression de se réveiller et de dire « qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je passe à côté de ma vraie vie ?» C'est une question là que j'ai. C'est une super question. Est-ce qu'à force de lire ou de faire que lire ou de vivre dans un monde un peu intérieur, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la vraie vie ? Moi, je pense que c'est aussi pour ça que je vis complètement dans ce monde-là de septembre à fin décembre, 15 janvier, où bien évidemment je rallume mon cerveau pour aller chercher les enfants, pour faire des discussions, pour m'amuser, faire des jeux, faire des devoirs. Mais je vis dans un monde parallèle quand même. Je sais qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui m'intéresse plus que mon roman. Si quelqu'un dit un truc, je fais... hyper intéressant parce que justement dans mon roman et là je fais stop, tu deviens chiante. Donc vraiment je vis dans ce monde un peu parallèle et c'est bien pour ça que quand le roman sort, j'ai qu'une envie, c'est de venir vous voir parce que là je me sens vivante. Là je sais que c'est la vraie vie. Là je sais dans les mots que vous me dites merci pour ce roman parce que j'ai lâché mon travail, je me suis lancée dans mon activité et merci pour ce roman parce que et là je sais que tout ce moment où je ne sais pas si je suis vraiment utile et vivante et est-ce que je ne suis pas en train de louper ma vie, qui est quand même une vraie question, je sais que ça sert à quelque chose. Oui. Merci Aurélie. Merci Laurence, merci infiniment pour ces échanges. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup.